Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. La CAN, c'est dans 6 mois. La Côte d'Ivoire est prête. La Côte d'Ivoire, comme elle a pris l'engagement de fournir une CAN d'exception, est prête. Ça veut dire que tout ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, tout ça, ce sont des fadaises. Aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent bomber le torse. Ils accueilleront bien cette CAN avec ambition. Nous, au niveau du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons reçu instruction de Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, des mesures bien précises, avec des dates et un calendrier bien précis, et c'est ce que nous avons suivi jusqu'à présent. Je tiens, en tant que président du comité d'organisation, à rassurer les amoureux du football africain, à rassurer les amateurs du football mondial, à rassurer tous ceux qui souhaitent se rendre en Côte d'Ivoire en janvier-février 2024, que tout est mis en place pour les accueillir, aussi bien au niveau des équipes, au niveau des délégations officielles, qu'au niveau des supporters. Et pas seulement à Abidjan. On a un axe sud-nord sur cette CAN, avec Abidjan et San Pedro, plutôt à l'ouest. Et puis ensuite, on monte vers Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, des stades neufs. Ils sont tous prêts. Écoutez, la ville d'Abidjan a 2 sites. Il y a le stade Alassane Ouattara des Bimpe, il y a le stade Félix Houphouët-Boigny. Et ces deux stades sont prêts à accueillir les équipes. Au niveau de la capitale politique qui est Yamoussoukro, là également, c'est un stade qui est déjà homologué, qui a accueilli déjà des matchs de compétition. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. La ville de Bouaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, là également, a accueilli déjà des compétitions éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Quand nous allons dans le nord, nous avons le stade Amadougon Koulibaly de Korogo, qui aujourd'hui est terminé et est prêt à accueillir des matchs tests de l'équipe des éléphants. Tout comme le stade Laurent Pokou de San Pedro, qui au mois de septembre accueillera un match amical. Alors on a des stades rénovés, 2, 4 stades, 9, entièrement neufs. Est-ce que côté infrastructure, en dehors des stades, on est prêt aussi? Parlons des routes d'abord. Je crois qu'en vous rendant ici au stade Alassane Ouattara des Bimpe, vous avez vu les travaux qui sont en cours pour accéder à ce joyau architectural qu'est le stade. Évidemment, aujourd'hui, il y a encore quelques tronçons qui sont en mise en conformité, mais je peux vous confirmer que le gouvernement met tout en œuvre pour que ces accès routiers soient prêts. Au niveau de San Pedro, l'axe que nous appelons ici la côtière entre Abidjan et San Pedro est terminée à 95%. L'autoroute qui mène d'Abidjan à Yamoussoukro est prête. La nationale qui mène de Bouaké à Korogo est pratiquement quasi prête. Il reste encore quelques tronçons à terminer. Mais nous ne sommes qu'au mois de juillet. Et je peux vous dire qu'avant la cérémonie de tirage au sort qui aura lieu le 12 octobre, et à la suite de cette cérémonie de tirage au sort, puisque les équipes iront en reconnaissance de leur lieu d'affectation et de leurs hôtels, tout sera prêt et ils pourront faire le choix qui leur convient. Alors vous avez prononcé le mot hôtel, parlons des hôtels. C'est souvent là que le bât blesse, à quelques mois, quelques semaines, parfois même pendant les compétitions. Là encore, vous êtes confiant? Au niveau de la ville d'Abidjan, c'est plusieurs réceptifs hôteliers qui sont terminés et qui vont accueillir les équipes. La CAF a déjà fait le choix pour que les équipes qui seront désignées pour jouer dans les 2 poules d'Abidjan puissent avoir les commodités nécessaires. Au niveau de la capitale politique et Yamoussoukro, je crois que nul ne peut ignorer que les infrastructures existent. À la ville de Korogo, en plus des infrastructures hôtelières, nous avons prévu un village CAN pour accueillir les 4 équipes qualifiées. Ça, il en est de même à Bouaké, San Pedro, où des villages CAN ont été créés pour accueillir les équipes qualifiées. Mais en plus de ces villages CAN, il y a des réceptifs hôteliers pour accueillir les délégations officielles et les supporters qui viendraient. Samson Adamou, le directeur des compétitions de la CAF, a dit « Si ça n'est pas la plus belle des CAN, nous n'aurons aucune excuse. » Quelle pression! La plus belle des CAN, c'est l'instruction que le chef de l'État ivoirien a donnée. La plus belle des CAN, c'est l'objectif que s'est fixé le comité exécutif de la CAF. Je crois que quand les deux, le propriétaire de l'événement et l'organisateur de l'événement, partagent le même objectif, tout est réuni pour le réussir. Mais le diable se trouve dans les détails. Donc nous prenons toutes les dispositions pour que le jour J, tout soit à la hauteur des attentes des Africains. Je crois que cela nous permet d'être sereins, de rester zen. Monsieur le Président, merci. Merci.